Hop, merci Poto. Et salut tout le monde, c'est Black Shadows. Alors aujourd'hui, on va tester le micro un peu, on va parler un peu, on va faire du blabla, mais on va tester aussi le micro. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je sais pas du tout, je l'ai acheté il y a une semaine. Qu'un motovlogueur m'a conseillé. On verra bien ce que ça va donner, parce que l'autre, le boyage, je vous le dis, c'est de la merde. Du moins pour moi, c'est de la merde. Il y a des problèmes de capteur, il y a des problèmes de micro. C'est strictement impossible d'avoir un son correct, ou si on a un son correct, il est bien, mais ça grésille, ça bug, c'est vraiment la merde. Donc voilà, le Boya LM20 là, je vous le déconseille, le prenez pas, parce que ça risque de bugger selon votre casque, s'il est plus ou moins sonorisé, etc. Mais voilà, c'était pas le top. Par le test du micro, ce sera sûrement visière fermée, il commence à faire frais un peu dans le sud aussi, ah, un peu... On va pas dire que c'est le nord, mais presque quoi. Donc, sur la chaîne, ce qu'il va y avoir prochainement, il va y avoir sûrement encore des déos, une nouvelle déo qui arrivera prochainement. Il va y avoir 2-3 balades que j'ai faites, dont une là, que j'ai fait il y a même pas quelques jours. C'était vraiment de la tuerie cette balade. Vous avez vu les photos sur la page Facebook, si vous n'êtes pas... Si vous avez Facebook, n'hésitez pas à liker la page Facebook, parce que franchement, je partage tout, que ce soit balade, que ce soit photo, autre. Je mets toutes les informations dessus, donc n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours grave plaisir. Donc voilà, mettez un petit like. Donc ouais, une énorme balade, on était au moins 19 motos. Mais quand je dis 19 motos, c'était le feu, mais c'était énorme. Donc 19 motos, il y avait 425 et après que des gros cubes. On a fait quoi? On a fait tout ce qui était NESC, Banan, voilà, saut, Banan. C'était sympa, même c'était pas facile à gérer tout ça. Mais c'était grave cool, grosse équipe. Donc la vidéo elle sortira. Il y aura du son qui sera potable je pense dessus. J'ai regardé la vidéo, ça grésille pas trop, ça fait un bon son pour qu'on entende un peu tout le monde. Donc voilà, ça sera sympa. Voilà papier. Voilà papier. Beaucoup à réagir sur la vidéo, sur l'équipement en moto, c'est super sympa. Voilà, c'était le but, c'était de qu'il y ait des commentaires, que ça discute, etc. Parce que c'est vrai que l'équipement, comme vous voyez, regardez là, j'ai sorti la veste d'hiver, on est dans le sud, mais veste d'hiver, obligé. Je ferai sûrement une vidéo sur mon équipement, parce que j'ai un équipement d'été, un équipement d'hiver, il me manque 2-3 trucs pour l'hiver, il me manque les gants pour l'hiver. Sinon après au niveau de l'équipement, je suis au top. Hop là, on verra si... Voilà, on verra si niveau qualité... Je vais la voir rapide, si on est à 90-100, voir un peu ce que ça donne, parce que là je sais pas du tout. Peut-être quand je vais faire la vidéo, ce sera de la merde. Vous allez comprendre un mot sur deux. Donc ouais, c'est sympa, je ferai une vidéo sur l'équipement, sur mon propre équipement, parce que c'est important. Comme ça, vous pouvez avoir des idées de marques à prendre, etc. Avec la dorsale, etc. Plein de choses. Donc voilà, ça sera à faire. Mon pneu arrière est un peu lisse, mais un peu, hein. Donc va falloir que je change. Mais c'est vrai que le Senna, le 20S, me tente pas mal. Que ce soit pour quand on avait fait la balade à 19 motos, ça aurait été vraiment utile de l'avoir pour pouvoir gérer le groupe de A à Z, pouvoir se comprendre, s'entendre, gérer les trajectoires, les positions, où on est, qu'est-ce que tu fais. Voilà, ça aurait été top. Et je pense que pour Noël, ça devrait être un bon petit cadeau pour la moto, parce que ça va grave aider. Que ça soit pour le GPS ou pour l'intercom, je pense que la musique je l'utiliserai pas tout le temps. Pourquoi? Parce que je pense que la musique ça déconcentre beaucoup. Et qu'en moto, moi j'ai besoin d'être concentré. Surtout à Avignon quoi. Si je mets de la musique à fond et à gogo, ça va pas le faire du tout. Si je peux intégrer les autres potes, de les enregistrer, et ça fera une grosse conversation de groupe par la suite. Voilà. Voilà un peu ce qu'il va y avoir. Si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez me proposer des choses, n'hésitez pas, je vous dirai si je suis chaud ou pas. Mais ça fait grave plaisir, là on va bientôt attendre les 1100 abonnés. Donc c'est vraiment cool, ça monte, ça interagit, ça like, ça fait... C'est tout ce que j'aime. Donc continuez comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à liker la page Facebook, je suis beaucoup actif dessus. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous
une bonne semaine, une bonne journée. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Ça sera sûrement la balade. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao, les gens. That's all I know.